won't open. It's a recent family photo. The corner's been torn off. I can only see Thomas and Ramona Waits in the picture. An old chest of drawers. Nothing of interest. Je veux le bouquin, moi. An old chest of drawers. Je veux nothing le bouquin. Of interest. An old chest of drawers. Nothing of interest. An old chest Allez. Of drawers. Nothing of interest. C'est chiant parce qu'on sait pas vraiment quel bouquin on peut prendre et quel on peut pas. An old chest of drawers. Ouais. Nothing of interest. It won't budge. Non, mais je peux même plus. An old chest okay, of drawers. Bon. Nothing of interest. Je peux même pas ouvrir les portes. It won't open. Putain. Ça m'a surpris, je me souvenais plus de ça quoi. It won't budge. The door's bolted shut. Allez, tiens. Nothing of interest here. Can't see anything of use. Nope, nothing important here. Looks like a diary. Je vous cache pas que pour le coup du jumpscare avec le monstre là, je vous cache pas que pendant mon enregistrement foireux, j'ai poussé un énorme cri. Bon là, j'essaie de me retenir. Ah putain, énorme quoi. An old mattress. Ouais, non mais je veux. Nope, nothing of interest. Ok, bon, il n'y a plus rien. Je vous lirai le bouquin plus tard. It won't budge. Oh, God. No. They've taken the last thing I loved away from me. I'm sorry. I didn't realize what was up there. What the hell was that thing? There's no time to explain. They'll be here soon. Listen to me closely. You've been the talk of the town all day, asking after the Burnham lad. I heard he never made it to Boston, that he was copped by the Order of Dagon. Did he pocket anything from the store's safe? Thankfully, no. It's sturdy. He'd never have wrenched it open with a crowbar. There's something in there that needs protecting from the Order. You've got to get it out of Innsmouth. Take the key to the back of my store. The safe combination's in my diary, upstairs. Hurry, Jack!
What the hell's in the safe anyway? You've gone too far this time, Wait. We're taking you in for murder. You'll swing for this. Wait, he didn't do anything wrong. He killed his own daughter, his own flesh and blood. There's plenty wrong with that. I'm reckoning you do well to mind your own business, stranger. And Innsmouth, we handle things by the old ways. Bon. Voilà. It's not important. It won't open. It's Ramona's coloring book. It won't budge. Ah, attends, y'a un petit souci, je crois. Normalement, voilà. J'en ai reçu plein la gueule. J'utilise des bandages. Nickel! A house plant. Il a parlé de la combinaison du coffre. It won't open. Et je suis un peu deg parce que j'ai encore pas suivi ce qu'il a dit. Nothing of interest. Où était la combinaison du coffre? Parce que c'est là que j'étais resté bloqué en fait. It won't open. An old chest of drawers. Nothing of interest. Nothing of interest. Ok, je vérifie un coup la pièce histoire de voir si j'en oublie. Whatever was locked up inside this attic, it must have slept here. Ok, bon. Je vais vous faire la lecture des docs. Il y a peut-être même autre chose qui s'est inscrit dans son carnet, allez savoir. Enfin, je me souviens plus. Donc, allez. Note, journal de Jack Walters. Non, rien de neuf, collection de preuves. Bah, c'est là. Et livre manuscrit, rien, ok. Alors, journal de Thomas Waite. La dernière entrée dans le journal date d'aujourd'hui. On y lit. Encore une nuit sans dormir. Je suis étendu, éveillé, à l'affût des mouvements de Seth, chose que j'ai épousée, allant et venant dans sa chambre fermée à clé. Maudit soit l'ordre ésotérique de Dagon. Et maudit soit ses serments. Et maudit aussi les fondateurs de la ville pour ne pas avoir pendu Obed Marsh quand ils en avaient l'occasion. Non pour ne pas l'avoir brûlé, lui et tout son clan répugnant. Si seulement je pouvais quitter cet endroit, laisser derrière moi ma parodie de mariage, abandonner le magasin à la pourriture ambiante et commencer une nouvelle vie loin d'ici. Mais je suis pris au piège ici. Chaque fois que je regarde Ramona, j'en suis persuadé. Et quand je la regarde dormir, si belle et si innocente, j'ai l'impression que mon cœur va se briser. Elle n'a pas la moindre idée de ce qu'elle va devenir. Hier, c'était son 10e anniversaire. La transformation ne devrait pas tarder. Sa naissance m'a apporté une telle joie que je continue d'en utiliser le mois, le jour et l'année dans la combinaison à 4 chiffres de mon coffre. Dans cet ordre, dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est comme si je tentais de préserver cette date à jamais et je reniais l'horreur inéluctable. J'ai parfois pensé à la tuer. Ce serait un acte de charité avant que l'horreur ne commence à se manifester. Dieu me pardonne. Mais c'est ma fille et je ne peux lui faire du mal. Elle n'est pas responsable de cette situation. Le moment venu, elle ne pourra vivre qu'Innsmouth, et d'ici là, je dois rester pour veiller sur elle. C'est ma pénitence, ma rédemption pour avoir engendré, avec, la mère qu'on lui a choisie. Quand elle sera devenue, comme eux, si le chagrin ne m'emporte pas, je serai de nouveau seul, sans que je sache si j'aurai la force de vivre sans elle. Livre de coloriage de Ramona Waite. Les dessins du cahier de Ramona semblent tout droit sortis d'un cauchemar. On a du mal à croire qu'un enfant puisse imaginer de telles horreurs. On y trouve des dessins de créatures étranges et irréelles. Leur tracé est sommaire, mais ils ont quand même le pouvoir de provoquer une répugnance viscérale. L'un d'eux porte une légende, le mot « mère ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ces images profondément troublantes soulèvent de graves inquiétudes quant à l'état mental de la petite. Donc alors, il semblerait donc que les gens, ou du moins la mère de la femme de Thomas et donc la mère de Ramona
se soit transformé en une bestiole immonde. Bah, le genre de bestiole qu'on a vu sauter par la... sur le toit là, qui nous poursuit depuis un petit moment déjà. Et ça, moi personnellement, ça m'étonnerait pas que ce soit directement lié à l'épidémie qui touche la ville. This town's deserted. Ouais, bon, where is everybody? I reckon you might have scared them off with that ugly face of yours. Ah. Ok, alors flanquer la foule, ça. Ouais, ça. Ouais, on descend. Ah. Jack, Jack. Oh, thank God I found you. Wait's been arrested for the murder of his daughter. I know. It's my fault, Rebecca. What are you talking about, Jack? What's your fault? There was something in the attic. Some kind of animal, and I let it loose. It's all my fault. The police drag Waits off. He can't take the fall for this. He's done nothing wrong. We gotta do something. Guilty or not, the Order will see him lynched for it. There's nothing you can do. Attends, reviens. Before they could drag him off, Tom Waits gave me the key to the variety store. If you're going to snoop around in there, be careful. It's just off the main square. There's a back way down a flight of stairs. He told me to protect whatever's in the safe, to get it out of town. Rebecca, I saw the oddest tramp. Just by the poorhouse. He wore old shawls over his head, but jeez, the skin on his arms and hands were, I don't know, tainted in some way. The poor wretch. It's the Innsmouth curse, and probably the latter stages of it. This curse, plague, or whatever you call it, is it some form of leprosy? I fear not. Lepers at least have the salvation of death upon them. Before they could drag him off, Tom Waits gave me the key to the variety store. Tu l'as déjà dit. If you're going to snoop around in there, be careful. It's just off the main square. There's a back way down a flight of stairs. He told me to protect whatever's in the safe, to get it out of town. À mon avis, c'est d'être un petit bug. Il m'a fait la même chose le dernier coup. Bon bah, je repasserai si besoin. Enfin, si je peux y rentrer à nouveau. Nope, nothing of interest. Ouais, mais c'est bon, je sais. On va aller faire un tour dans cette boutique où j'étais resté bloqué parce que je trouvais pas la combinaison du coffre, justement. Ils ont débarrassé les cadavres, tiens. Visitez la vieille ville. Chaque fois que vous subissez une perte de santé mentale, vous risquez de développer une affection mentale. Putain, enfin, encore faut que je mette sur pause, bon. Freeze! Non, c'est bon. Voilà, je vais aller sauvegarder. Maintenant, comme ça, ce sera fait. Alors, sa boutique, c'est celle-là. Hein. Variety Store. Je vais aller sauvegarder par là. Avant de continuer. Là. Et donc là, on va arriver au point où je m'étais arrêté. Oh, finalement, en fait, j'aurais fait à peu près la même chose dans le même temps. Je me suis dit, vu que j'avais déjà fait la partie, là, ça allait aller plus vite, mais... C'est parce qu'il y a... Ça va pas plus vite parce qu'il y a beaucoup de blabla, en fait. Ah. You don't look like your standard crook, sweetheart. Jesus, you crazy sap! Who the hell are you? Jack Walters, private detective. And considering your recent break-in and entering, how about I ask the questions? Have you any idea who I am?
No, and I really don't care. My family has influential contacts in the Order, so I'd advise you to mind your manners, sir. I'm from out of town. The Order doesn't hold much sway with me. Really? Out of town, you say? How interesting. I'm Ruth. Ruth Billingham. Huh. You're Brian's broad. That figures. Brian? I don't believe I know a Brian. Yeah, right. I've been fed that line 1,000 times, and for much better liars than you. Look, Ruth, the rumor around town is that your lover boy is in the hands of the Order. What? No, that's not true. They'll have him killed. It was all my idea. I just wanted a clean break from here. What do you want me to do? I don't know. You're the detective. You think of something. I'll be waiting out at the old fishing cannery the next 2 nights, just past the abandoned railway station to Rowley. When you find him, give him this. He'll know it's from me. Décodec. Et merci, les quoi? Une photo de Brian Burnham avec Ruth Billingham. Il y a un message au dos qui dit « Je t'aime, bébé ». C'est stressant, ça. Enfin, ça va vite le devenir. On est dans une boucherie, tiens. Les cochons sont sacrément mal foutus, hein. Je sais pas quelle race c'est, mais... probablement une race qu'on ne trouve que dans les jeux vidéo. It won't open. It won't open. Il doit y avoir un truc à faire, nothing of interest. Là, voilà, c'est là nothing où j'ai... of here. Ta gueule, c'est là où j'étais resté coincé. Et je ne sais absolument pas... parce que là, il y a un... c'est bizarre, il y a... qu'il y a un... une cage, là, comme ça, qui pendouille, là. Je suis certain qu'on peut faire quelque chose avec, mais... it's a bird cage. I don't own a bird, so nothing useful. Ouais, bah... it's a bird cage. Ouais, j'ai remarqué. Je peux pas. Je sais pas, franchement, je sais pas. Ah, attends, je vais relire les. La note du type là. Non, c'est pas celle-là. C'est le journal de Thomas Waite. La dernière entrée dans le journal d'aujourd'hui. On y lit encore une nuit, blablabla. Blablabla, etc. Maudit sur les fondateurs de la ville. Alors, attends. Je vais pas avoir. Alors hier c'était son 10e anniversaire. Donc ça veut dire qu'il faut que je trouve la date d'aujourd'hui. Faut que je trouve la date d'aujourd'hui. Hier c'était son 10e. Arkham. On n'est pas en 1922 que je sache si. Non, on est en 1900, on est vraiment plus... quoi que si, non. Ah putain, merde. Non, c'était quoi? Non, si, on dirait bien que... on dirait bien que c'est le 7. Alors ça veut dire qu'elle pourrait... elle pourrait être née le... 6 février... 1912. Attends, 6 février 1912. Ah, blablabla. Mois, jour, année. 6 février, donc... non, qu'est-ce que je raconte? Alors, mois... mois, jour, année. Mois, jour, année, donc ça veut dire... 2, 6... 2, 6 et... ouais, putain, mais c'est quoi l'année? Je prends quoi? Je prends 12? On va voir, on va voir ce qu'il nous dit. Si je retrouve les touches pour me déplacer. Hmm, bien joué la fiche qui bug. Can't see anything of use.
Alors, on va essayer, tiens. Alors, dans le sens des aiguilles d'une montre, il a dit. Alors, 12. Attends, non. Alors, 0,2. Dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, donc c'est ça. Donc, 2. Merde, putain. Putain, fais chier. Ah! Je suis un petit peu con sur les bords, hein. Mais j'ai du mal à me concentrer. Putain, non. Dans cet ordre, dans le sens des aiguilles d'une montre. Attends, moi journée, ok, bon. Dans le sens des aiguilles d'une montre. On est d'accord. You've got something wrong. Oui, mais j'ai quelque chose qui ne tombe pas en moi aussi, figure-toi. Alors. Jour. Moi, c'est... Mais c'est con, normalement, c'est... Non, moi, jour. Normalement, ça devrait être comme ça. Moi. Année, ça veut dire 1922, donc. Merde, attends. Putain, ah ! Alors, jour. Moi. Non, jour. Putain, mais... Non, c'est moi. Ah, je me plains tout le temps. Putain ! Alors, moi, jour, 6, 1000. Yes, that's it. 922, d'accord. 1912, pardon. Ok, cool, puis j'ai même une sauvegarde. Nickel. Bon, bah, j'ai sauvegardé. Enfin, je vais lire le... The safe holds a heavily bound manuscript. The front is embossed with the words Book of Dagon. Ok. Non, non, je vais pas sauvegarder maintenant. Je voulais voir ce qu'il y avait dans le coffre, mais. Bon, il y a quoi? Un manuscrit à couverture épaisse portant un titre en relief, Livre de Dagon. C'est la traduction de symboles anciens. Et est-ce qu'il a rajouté quelque chose dans son petit journal? Ah, livre de Dagon, voilà. Alors, ce livre est un manuscrit à la lourde reliure. Sur la couverture, on lit le livre de Dagon. Ça ressemble à être un ouvrage religieux traduit à partir d'une série d'antiques tablettes. Il évoque une entité appelée Dagon, apparemment une espèce de divinité marine, et son épouse Hydra. Ce sont les plus grands d'une race sous-marine appelée les Grands Anciens, qui les vénèrent, font des sacrifices et d'autres rites en leur honneur. Les descriptions de ces sacrifices sont particulièrement révoltantes, et certains détails évoquent des sorts de magie et d'autres rituels étranges. Si ce manuscrit fantastique recèle la vérité, leur histoire remonte bien loin avant les origines humaines les plus anciennes, à une antiquité dont l'ancienneté est inimaginable. Certains individus sont si incroyablement vieux qu'ils ont vu des continents naître et mourir, car ils ne meurent pas de vieillesse comme les hommes. Père Dagon et Mère Hydra font partie de ces êtres, et leur âge et leur taille suscitent respect et adoration. C'est une sombre divinité, appelée le Grand Cthulhu, qui suscite chez eux la terreur la plus ineffable. On raconte qu'ils sommeillent et qu'ils rêvent dans la cité sous-marine de Arlier, je sais pas, un truc dans le genre. Le livre ne semble pas complet, les derniers chapitres sont manquants, comme si le traducteur n'avait pas fini son œuvre. Intéressant, on entend parler pour la première fois de Cthulhu. J'ai hâte de connaître la suite, donc à mon avis, je pense que on ira voir du côté du récif du diable. Là où Obedmarch allait apparemment faire ses sacrifices. Et ça m'étonnerait pas qu'on aille dans la cité sous-marine aussi. Alors là, c'était fermé, si it won't je open. Me souviens bien. Alors qu'est-ce qui va m'attendre à la sortie ?
getting late. I'd better start making tracks. I don't much fancy spending the night in this hole. Mais est-ce que je vais pouvoir quitter la ville? Est-ce que je vais seulement pouvoir le faire? Est-ce que je peux aller réserver une chambre à l'autre? Je ne sais pas. Eh, encore le téléphone qui sonne. Désolé. Alors, me revoilà. Alors, il y avait l'autre bestiole là. Did you hear about Thomas Waits? You best not be asking about that, stranger. It won't budge. It won't open. Pourquoi il a toqué la porte là? It won't budge. Étrange, étrange, étrange. Je crois qu'on va pas tarder à s'arrêter là. Devine un bruit là. Do you have board for the night? We've plenty on the top floor of the house. Nice views over the town, I'm told. Great. That sounds just swell. Right there, sir. You're starting to look kind of funny there for a while. Face as white as bone and eyes as black as coal. Like you'd seen a ghost or something. I'm fine, thanks. It's just the sea air around these parts. It makes me queasy. The Innsmouth's breeze is not for your outsiders. Charlie, can you come with me? I need to be telling you something. Perfectly. Excuse me, sir. The Innsmouth Law doesn't like to be kept hanging about. I'll be right back with you shortly. Vous savez quoi? Ça devient vraiment intéressant, mais on va s'arrêter là. Pour cette session-là. Where about two lodges in the outsider? Top of the house. Plenty of rooms up there. Probably 401. Instructions under the order are to make certain he don't leave the hotel. That's a direct command of Robert Barton. Oula, 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 oula. Vous savez quoi? Ça semble très intéressant. Mais je vais m'arrêter là. On reprendra cette petite discussion là, qui en secrète là, cette intrusion secrète dans la conversation pour la prochaine session. Merci de m'avoir suivi. Désolé pour la courtesse de la session, si je puis dire, et le retard aussi, parce que j'ai eu quelques soucis, comme je vous l'ai dit. Donc merci d'avoir regardé ces vidéos. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine, qui se déroulera normalement, je pense. Bon bah, à plus, portez-vous bien, et puis à dimanche pour la suivante. Allez, salut !